Et bonjour les amis, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes qui s'abonnent à la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons sur Farmers Live et nous allons parler surtout de la dernière mise à jour, une grosse mise à jour qui vient de sortir. Donc, je vais vous faire la traduction en français et vous expliquer un peu en quoi consiste. Donc, je vous ai fait la traduction de ce qu'on voit sur Steam. Il y a beaucoup de choses, donc je vais vous lire les phrases en française, comme ça vous serez tranquille. On commence par Casimir peut maintenant essayer d'épouser l'une des quatre dames de Zalesi. Après le mariage, une réception bruyante, l'épouse l'accompagnera dans sa vie de tous les jours. Et elle n'est pas au travail, bien sûr. Donc, les femmes, les épouses qu'on peut épouser, c'est cette madame-là, Anne. On trouve dans le centre du village, bien sûr. Sophie, bien sûr, qui est dans le magasin. On ouvre la carte. Il y a à la ferme de Tadeuse. On va aller voir tout de suite. Si c'est fini, c'est pas grave, je ferai une ellipse. On a cette dame-là qui est ici. Hélène, bien sûr, là. Et on va voir un petit coup avant, désolé. J'ai mon estomac sur pattes, là, qui réclame sur quelque chose. Et le quatrième, enfin la quatrième, se trouve à là, ici. Voilà. Chaque personne a quelque chose, a des quêtes bien définies pour faire, bien évidemment, les quêtes. Pour les quêtes, pour le faire chavirer, pour le faire chavirer son cœur. Et plus tard, la pousaille. Donc, je vais vous montrer tout ça, comment que ça se passe. On va aller voir cette dame-là que j'essaie d'avoir, bien évidemment. On va la voir. On va parler avec elle, parlons-nous. Il n'y a personne d'autre comme vous dans Zalesi. Soit vous lui offrez un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, c'est elle. C'est elle qui revend le chocolat. Le bouquet de fleurs, ça se passe là-haut, chez Anna. Donc on fait parlons-nous. Tu es exceptionnellement belle aujourd'hui, voilà. Et voilà. Il y aura tout ça pour la demander en épousailles, gagner le cœur de Sofia. Ouais, c'est Sofia. Ouais, ils sont gourés parce que là, ils ont marqué Sofia et là, marqué Sophie. Donc, pour savoir. Il y aura tout ça. Et à la fin, on pourra demander en mariage. Et quand on demandera en mariage, la dot, on gagnera 8 000 d'argent. 30 missions, 3 grenades allemandes, 2 pièges, 6 antibiotiques. Mais bon, avant d'en arriver là, vous voyez, tâche pour la patronne, il faut bien évidemment faire des quêtes. Parce que bah, Sofia est là, on clique dessus. Tâche pour la patronne, vous voyez, ça ne vous dit rien pour l'instant, c'est normal. Sauf si vous cliquez sur les frais, voilà, Sophie, elle demande d'acheter une vache et après lui ramener du lait. Donc, le temps que vous n'aurez pas fini les quêtes principales avec elle, ça ne sert à rien de faire l'émission. Voilà. Donc, continuons. C'est qu'on a été là. Conquérir le cœur des dames. Ce ne sera pas facile. Les amateurs de quêtes devront être satisfaits de cette mise à jour. Les épouses soulagent Casimir dans certaines de ses fonctions. À moi, bien sûr. Que le mari décide de ne pas travailler du tout à la ferme. Donc, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, donc il va falloir faire les quêtes pour essayer de draguer les femmes. Et après, bien sûr, il faudra, bien sûr, leur faire des cadeaux et tout ça pour les draguer. Comme je vous ai dit. La musique est arrivée à Zalesi, et pas seulement pour le mariage. Casimir peut acquérir un gramophone élégant et collectionner des vinyles. Donc ce n'est pas seulement le vent hurlant qu'il entend en travaillant. Donc, la zizik, bien évidemment, le gramophone se trouve, lui, vous parlez, mettons, il est là. Et le gramophone est à 2240 roubles, pièces, 2240 crédits, plus de. Avec un vinyle tube de mariage à 224 pièces, c'est-à-dire, on va y arriver.
On va chez lui. Lui, il en a pas. Et il y a le gros monsieur, là. Fait-on. Il y en a un autre aussi. Tout le monde peut en gambader. Ah bon, donc il y a ça. Allez, il va falloir peut-être pour le mariage, je pense. Et vous en avez d'autres qui se promènent un peu partout que je vous laisserai découvrir, bien évidemment. Donc, il y a plusieurs nouveaux objets dans Alésie. Le seul but est d'améliorer l'humeur des gens. Nous ne parlons pas de nouvelles variétés de boissons. Donc, les nouveaux objets. Moi, pour l'instant, j'ai découvert les fleurs qu'on peut offrir aux femmes, les tablettes de chocolat, les chocolats, le gramophone, les tourne-disques. Il y en a d'autres. Bon, ça, je n'ai pas encore trouvé. Donc, à vous de trouver par vous-même. Donc, il y a maintenant Tommy a enfin, Thomas a combattu son aversion pour le blanc et achète. On achète enfin des fourrures blanches et des trophées faits d'animaux albinos. Quand il parle de Tommy, on parle bien évidemment de monsieur. Oui. Qu'avant, il n'achetait pas les fourrures blanches et ni les trophées. Et maintenant, il les achète, bien évidemment. Donc, où c'est qu'on était? Peter a découvert un collectionneur en lui-même. Il achète des casquettes, chapeaux, et il y a des rumeurs selon lesquelles il obligerait les animaux à les porter. Quand Anthony n'est pas là, malheureusement, il ne vend pas. Donc, qu'est-ce qu'on parle? Si on parle de cette personne-là, hein, il achète les chapeaux d'animaux, bien évidemment. Hein. Sauf celui-là, c'est chapeau de sorcière, on peut pas le prendre, c'est un chapeau d'Halloween, mais sinon le chapeau normal, il voulait racheter. Donc la traduction et les noms du jeu sont totalement différents. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Les habitants de Zalesi ont retrouvé leur voix, mais il s'avère qu'ils sont tous ventriloques. Donc vous avez entendu, ils parlent, mais la bouche ne bouge pas. Ça, c'est pas grave. Nous avons optimisé plusieurs éléments du jeu, dont les animaux, afin que les propriétaires de troupeaux plus nombreux ne ressentent pas trop leur présence. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas de troupeaux énormes, pas de vaches pour l'instant, donc, hein, vous m'avez compris. Conseil utile. S'il y a beaucoup de lumière, lampe électrique et à huile, lampe, lanterne, citrouille, etc. sur votre ferme, envisagez de changer un paramètre visuel, ombre de lampe, en jouant uniquement ou désactivé. Voilà ce qui parle, bien évidemment, dans la traduction. Je fais la traduction tranquillose et à la fin, ils nous disent que dans la prochaine mise à jour, il y aura de nouvelles machines. Donc, on n'en sait pas plus. Ça, on verra ça. Au moment voulu, on verra tout ça. Donc voilà ce qu'il y a. Donc les quêtes pour draguer mesdames, ce ne sont pas tous pareils, bien évidemment. Donc attention. Donc là, fait-on. Non, elle n'a pas de disque, elle. Là, on parle. Il n'y a pas de personne comme vous. Vous voyez, là, nettoyer la ferme. Donc c'est un petit problème parce que si on fait J, madame, elle s'appelle Anne. On fait J. J. Anne, on clique là-dessus, nettoyer la ferme, c'est fait, 100%. Maintenant, c'est gagner une bagarre avec Telka. Telka, je vais vous montrer où c'est qu'elle est, mais vous vous débrouillez par vous-même. Si, vous allez vous téléporter à la ferme d'Anne. D'Anna. Vous allez la voir. Il fait froid aujourd'hui, et elle est ici. C'est elle, Telka. Donc, pour la combattre à et cloche. Donc, pour la combattre, bien évidemment, il va falloir être un peu ivre. N'importe où, on va le suivre. Il va falloir être un petit peu ivre, bien sûr. Et la combattre, mais je vous promets rien. Parce que moi, j'ai jamais encore réussi à la combattre. Parce qu'elle a, quand elle a du punch, c'est du punch, la madame, hein. Par contre, ça me fait peur, toi t'es en train de me ramener vers les mines, hein, salaud.
Tu veux pas tomber avant par hasard, non? Parce qu'il y a un bunker et il y a des mines. Et là, le soir, je vois rien. Hein. Non, tu veux pas tomber maintenant? Non? Non plus? Bosch, là. Là, c'est un Allemand fantôme qui apparaît vers les 11h, normalement. Ah! Il y a 2 secondes. C'est le montre aux gens. Ouais, il est à 18h40, il apparaît maintenant. Là. Voilà. T'es mort? Non plus. Ah, mais tu sais que tu m'emmènes, toi? Il commence à faire froid, Casimir. Le soleil gèle. Ah, c'est encore un petit temps. Ça, c'est des soldats qui apparaissent quand vous entendez la cloche, bien sûr. Un conseil, suivez-les. Ça va vous découvrir des trésors cachés, bien sûr. Si, bien évidemment, il arrête de m'emmener, je sais pas d'où. Là, on s'approche vraiment très dangereusement du bunker. Et ça m'inspire pas confiance. Donc si t'as des freins, ce serait gentil de ta part. Parce que moi, je vois plus rien. Ah oui, on s'approche du bunker, mais il est gentil, lui. Aïe, aïe, aïe. Ouais, merci. Je sais que t'es un Allemand, mais quand même. Dans le bunker, lui, comment ça se fait? Mais il est où, lui? Oh! Un fantôme, mais quand même, c'est abusé, là. Tu te fous de moi, toi, ou quoi? Oh là 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 là, mais il est où? What? Au bout d'un moment, il doit disparaître tout seul, je pense, j'en sais rien. Ah non, il est là, mais... Une espèce de fumier de lapin, hein. Parce que là, faites attention, c'est un champ de mine qui est ici. C'est pour ça que j'avance tout doucement. Il nous a bien mis dedans, l'enfoiré. Alors, allez, vas-y, allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, accélère. T'essaies de monter l'enchar. Tu iras pas bien long, mon pote. Ok, allez. Pourquoi qu'on n'est pas fantôme aussi, nous, pour traverser les barrières? Ben non, rien à faire. Ah, c'est bon, t'es mort. Et voilà, vous avez vu, il est tombé et un coffre qui apparaît. Donc là, on a une faux. Vous voyez, faux joyeux. Merci, le sang qui a, merci. Un crâne qu'on pourra revendre à la sorcière. Encore un chapeau de sorcière et des seringues que vous trouverez. Injection miraculeuse. Voilà. C'est des trucs que vous pourrez garder ou revendre comme bon vous semble. Donc là, il fait nuit, on va se faire une tapes, le temps de refaire la journée. Et on se retrouve juste après. A tout de suite, les amis. Et nous revoilà les amis pour la fin de l'épisode de la vidéo. Là, j'ai passé la nuit, on arrive en hiver. J'ai l'impression qu'il y a plus de neige, que c'est plus beau, je trouve la texture, il y a des traces de pas. C'est pas mal aussi. Là, ben, nous allons voir la sorcière, bien évidemment. On appelle ça la sorcière, moi. C'est tel cas, bien sûr. C'est celle qui met des punches terribles. C'est pas une femme, c'est un camionneur, celle-là. On va voir si elle rachète les chapeaux. Et non, elle rachète pas les chapeaux non plus, vous voyez. Là, vous les avez entendus. En tout cas, elle rachète les seringues. Voilà, 100$, le crâne, elle le rachète, et voilà, 200$. Vous voyez, bouquet de fleurs, c'est elle qui les rachète, bien évidemment. Mais les chapeaux, j'arrive pas à trouver qui c'est qui les rachète, et ça m'intrigue, cette histoire. Bon, on va aller. Enfin, les chapeaux de sorcière, parce que les chapeaux en paille, sont rachetés par la personne que je vous ai montré, mais les chapeaux de sorcière, j'arrive pas à trouver la personne qui les rachète. Béton. Là, vous voyez, c'est en sombre, donc c'est pas lui. Béton, c'est pas lui non plus. Toi, je sais que tu vas vouloir te battre pour des questions. Vous voyez, c'est pas lui non plus. Je sais que les chapeaux normaux, c'est lui, en tout cas, qui les rachète. Au village. Béton, mais c'est pas ici non plus. Bonjour, madame. Elle, c'est pas elle non plus. La faux, et pourtant c'est une vraie. Pas c'est faux. Bon. Et on va aller voir ici, si on y est. On va aller voir le petit monsieur, là. Parce que c'est lui qui va peut-être me les racheter. Patrice.
Et ouais, c'est lui qui nous l'a racheté, vous voyez, 42 dollars, le chapeau. Ça fait toujours ça à prendre. Donc après le chapeau, on le retrouve en bas, ici, les deux chapeaux. Alors, on vient de leur vendre avec les moutons, les béliers, tout ça. Mais ceci, ce sera pour une autre vidéo. Donc, je pense qu'on a fait le tour des missions de type secondaire, des missions. Désolé, je me plante là. On a fait le tour des nouveautés nouveautés du jeu, bien évidemment. T'as froid, c'est pas grave, tu resteras ta coin dehors jusqu'à la fin. On a fait le tour de tout ce que je connais dans la dernière mise à jour, bien sûr. La prochaine mise à jour, il y aura du nouveau matos. Mais ça, il faudra attendre un peu, bien sûr. En attendant, c'est toujours un bon jeu de faire. Toujours intéressant de faire ce jeu-là, bien sûr. Et voilà. Donc, voilà les amis. Donc, j'espère enfin que cette vidéo-là vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche et de partager si le cœur vous en dit. Si vous cherchez le jeu, vous cherchez sur Steam au nom de Farmers Live. Un très bon jeu que je peux vous conseiller et recommander, bien évidemment, parce que vous vous ennuierez pas, bien sûr. En attendant, pour les personnes qui connaissent ce jeu, je vous souhaite bonne chance dans les quêtes de mesdames pour les draguer et pour les épousailles. Pour les personnes qui ont réussi, merci de me marquer dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Allez. Salut, salut!